Salut à tous, et voilà, nouvelle vidéo pour la reprise. Ça a l'air dur ce matin là. Bon, j'espère que vous allez tous bien. On va essayer de redémarrer les vidéos correctement. Du coup, c'est vrai que pendant le confinement là, ça a été un petit peu compliqué pour vous faire du contenu. J'ai pas voulu vous faire du n'importe quoi, essayer de surfer sur la vague de je sais pas, des home gym, des machins, des bidules, des trainings à la maison et compagnie, ou pour vous raconter des sornettes. Donc bon, j'ai juste préféré m'abstenir de ça pour essayer de faire du contenu. Pour faire du contenu, ça m'intéresse pas. Donc voilà, aujourd'hui c'est jour de reprise, c'est la rentrée les gars, rentrée scolaire, j'ai acheté des nouvelles chaussures et tout. et du coup, on commence avec le petit déj qui n'a pas bien changé, hein. Mais là on est sur voilà, le fameux salade et cake. Du coup, on a à peu près beaucoup d'avoine, genre 200 grammes. J'ai 200 grammes d'avoine là le matin, donc ça en fait quand même pas mal. Sur les compléments que je prends avec ça, du coup, direct dès que je me réveille, je prends de la vitamine C, surtout en premier lieu. Vitamine C avec beaucoup d'eau et de la glutamine. Mais du coup, je l'ai rangé, je n'ai pas pris avec moi. La glutamine Kiowa. Et du coup, du D3K2. Voilà. Oméga 3, comme d'habitude. Un par repas. Je vais retrouver la glutamine, quoi. Allez. Il fait sombre. La glutamine que voilà. Hop. Voilà, c'est de la Kiowa, du coup. Donc, matière première brevetée. Ça, c'est parfait. Donc voilà, glutamine, j'en prends le matin au réveil, voilà, avec ma vitamine C et de l'eau. Matin au réveil et le soir avant le coucher. Pour diverses raisons et notamment pour mon estomac, enfin pour le ventre, quoi, c'est anti-inflammatoire en plus et tout. Pour la digestion, c'est juste parfait. Alors, moi, depuis que j'en prends, je sens vraiment un réel confort. Voilà, j'ai envie de vous dire bon appétit, comme on voit filmer dans la glace. Ça, on voit que j'ai mis un short aujourd'hui. Tranquille, je suis pas au Alpe. Bon, je vous dis bon appétit et puis bien tout de suite quoi. Allez go. Bon et voilà, arrivé à la salle, il n'y a pas grand monde. Tant mieux, c'est parfait. Alors, là, j'ai pris le. Comment dirais-je, le pré-training là chez My Muscle. Bon, j'en prends pas souvent d'habitude, mais là aujourd'hui je me dis allez vas-y, on s'enflamme, j'y vais à fond. J'ai juste mis un petit peu de sel dedans, en plus, voilà, pour avoir de bonnes contractions, être bien hydraté. C'est important en pré-training si vous pouvez, que ce soit dans votre repas, ou sinon dans votre pré-training, vous mettez juste un petit peu de sel, ne serait-ce qu'un gramme, c'est juste parfait. Bref, du coup on y va, on passe au BCA. BCA, 10 grammes là-dedans, un peu d'eau, et on y va pour une petite séance d'eau, espérons qu'elle va être bonne. À mon avis, je la prends pas, mais bon, allez go. Donc, premier exercice, tirage vertical, prise neutre. Ah, c'est un exo, putain, je tremble. En plus, j'ai un stabilisateur, j'ai même pas pris. Prochaine vidéo, enfin, je vais me mettre en mode professionnel. Enfin, je vais me tenir. Donc, je disais, il n'y a plus de cardio. Premier exercice tirage vertical en prise neutre. C'est un exo. Putain. Désolé, mais je crois qu'en plus avec les pads que j'ai, je sais pas si le micro il a bien marché. Oh là là, la vidéo. Bon, vous voyez, comme d'habitude, je vous raconte vraiment tout en même temps. Bref, donc tirage vertical prise neutre. C'est un bon exo. Enfin, moi en tout cas, je le ressens plutôt bien. J'avais vraiment à bien recruter les dorsaux. Bref, donc ça nous a bien fait sortir. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Putain, truc flingué. Bon allez, on y va. Vas-y, encore. Encore une. Oh, oui. Allez bien. Fais tirer. Allez, let's go, vas-y. Hop.
Super. Bon, voilà, on a fait le rowing T-bar en plus ou moins en machine, en guidée. Là, on va faire le rowing sur la row machine, sur la hammer. Là. Donc, comme d'hab. Là, vous allez voir, je reste debout en fait dessus sur celle-là. Pourquoi ? Parce que du coup, je suis vachement plus en tension. Je trouve au niveau du dos, j'arrive beaucoup mieux à garder la tension, à la contraction dans le dos. Quand je suis debout, faites le test dans votre salle. Même si c'est sur les technologies, peu importe la machine. Sur les machines, essayez de rester debout et pas vous asseoir sur le siège. En plus de ça, alors, quand vous asseyez sur le siège, souvent, vous allez avoir tendance à avoir vraiment tracté comme ça en arrière. Donc, le fait d'être debout et vraiment bien vous coller sur le coussin, quoi, j'allais dire le plastron, vous allez voir, ça va être... vous allez beaucoup plus isoler le dos en fait. Vous n'allez pas pousser dans les jambes ni quoi que ce soit, et moins dans les lombaires. Donc faites le test, vous m'en direz des nouvelles. On termine abdos pour changer. En ce moment, je les bosse. Je les ai pas mal bossé pendant le confinement, du coup, pour bien maintenir la simple. Je pense que je vais faire quoi, 3 fois par semaine. Levée de jambes, des crunchs, pardon. Mais bon, juste vraiment, comme je l'ai expliqué déjà, en allant chercher juste vers le haut, pas les plaquer sur les genoux, ça sert à rien. Et puis tout simplement pour le dos, en fait, vraiment en prévention, parce que la dernière fois, la dernière prépa, je me suis niqué le dos. Mais vraiment le fait de vraiment mieux travailler les abdos et en profondeur, ça me débrouille vraiment bien, donc c'est parti. Voilà, retour pour le repas post-training. On a quoi ? Comme d'hab, du steak et du riz. Voilà. J'ai à peu près... cuit, ça me fait quoi ? Presque 400 grammes de riz. Tout de même. Un peu d'huile d'olive. Et un oméga 3. Comme d'habitude, là, j'en prends un à chaque repas. Et puis, voilà quoi. On va manger tout ça. Bien boire surtout, bien se réhydrater. Vous voyez qu'en ce moment, il commence à faire de plus en plus chaud. Alors n'hésitez pas, je pense que je dois tourner bien à 3-4 bouteilles par jour, sans compter le shaker à la salle, parce que, bon, ce qui devrait nous faire à peu près, ouais, mais j'ai voulu me lancer dans un calcul, mais en fait non, ouais, 4,5 litres à peu près, 4,5 litres d'eau minimum par jour. Donc voilà, pff, putain on a eu chaud là, hein. Je vous dis bon app et à tout à l'heure.
Et voilà. Deux. Putain, je dis tout le temps, et voilà, je crois. Faudra que j'arrête ça. Hein. Ça doit être énervant dans les vidéos. Donc, nous revoilà. Et pour un autre repas, poulet, riz, rizzo. Mais j'ai déjà mangé une escalope là. J'ai failli ne pas filmer. Et je me suis dit, non, faut pas qu'on redémarre comme ça, là, c'est pas possible. Donc bon, je vais manger tranquille comme ça. En extérieur, sur ma terrasse. C'est parfait. Il fait pas trop chaud aujourd'hui, donc on en profite. Je mange ça. Un petit oméga 3 encore une fois. Et puis voilà. À peu près toujours 400 grammes de riz. Enfin cuit, je vous donne le truc cuit. Comme ça, je laisse un peu des zones d'ombre. Et voilà. Je mange ça. Ça va passer tranquille avec un peu d'huile d'olive. J'ai juste mis un petit peu de vinaigre dedans. Des fois c'est pas mal. Essayez si vous voulez. Avec des petites tomates fraîches coupées là. Vous mettez un petit peu d'ail et un petit peu de vinaigre de cidre là. Faites le test, vous me direz. Bref, à tout à l'heure. Yo, bon, je viens de rentrer. Du coup, je ne vous ai pas montré le petit tanka, en tout cas, que j'avais fait, à savoir, du coup, un shaker avec de l'iso, là, et de la poudre d'avoine que j'ai reçue, du coup, au chocolat. C'était un tout chocolat, c'était juste parfait. Donc, bon, je suis allé me balader un petit peu. On a bossé un peu sur les coachings. Parce que là, avec la réouverture des salles, tout le monde s'énerve bien comme il faut, je vous laisse imaginer le travail. Et du coup, les questions à répétition, étant donné que tout le monde se pose exactement la même question. Donc... Mais voilà, c'est le taf, faut le gérer. On est tous dans le même bateau. Donc, c'est que tout tombe d'un coup, là. Ça a été confinement ou déconfinement. Du coup, c'est des journées un peu longues. Mais bon. Je vous montre tout à l'heure, du coup, le repas que je me prépare pour le soir. Et puis... Puis on continue quoi, j'ai un peu de taf devant moi. De retour pour le dernier repas, the last. Alors évidemment, j'ai oublié de filmer l'avant-dernier. C'était sûr. Bon, je vous ai dit, je me suis refait du bœuf. Bœuf avec du riz, huile d'olive et tout le tintouin. Putain, ma moustache, ça fait des trucs bizarres. Alors régler ce petit problème de stache. Hein. Ça ne va pas. Bref. Du coup, dernier repas. Voilà, salade. Pouletto, salados. Voilà, pas de glucides ce soir. Enfin, en général, j'essaie de pas en manger. De toute façon, sur le dernier repas, non pas que c'est pas une bonne chose à faire, mais en tout cas, c'est une chose qui, moi, ne me réussit pas. Enfin, ne me réussit pas. C'est pas que ça ne me réussit pas, mais disons que... c'est pas ce qui marche le mieux, quoi. Voilà. Des fois ça peut être utile, mais c'est pas en général ce qui fonctionne le mieux sur moi. Donc voilà, poulet, salade, huile d'olive, voilà, surtout bien les légumes verts. En plus j'en ai pas mis aujourd'hui comme un connard. Alors que c'est quand même assez utile, non seulement pour les fibres, mais bon j'en ai quand même déjà pas mal avec tout l'avoine que je mange. Mais surtout aussi, comment dirais-je, pour basifier en fait l'organisme, en fait, pour faire retomber mon pH. Ça, ce qui est très important, et notamment pour une bonne assimilation aussi de tous les nutriments. Donc voilà, les légumes verts vont surtout vous aider à ça, certains plus que d'autres. Là, notamment la salade, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Le mieux serait à la limite de prendre de la mâche pour la salade. Là, j'en ai mis un petit peu dedans, mais j'en ai pas non plus des tonnes. Parce que la mâche, du coup, ça régule vraiment bien votre pH. Donc, c'est plutôt un bon aliment, en tout cas, si vous connaissez pas la mâche. Voilà, donc je vais me faire ça avec un peu de vinaigre de cidre. Bon, vinaigre de cidre, c'est pareil, c'est alcalin, donc tant mieux, ça va me faire baisser aussi un peu cette histoire. Et en complément pour le soir, du coup, oméga 3 comme d'hab, hein, comme tous les autres repas. Je vous montre tout parce que les gens veulent tout savoir, évidemment. Et le ZMG, ZMG, j'avais déjà parlé, je pense, dans une vidéo, qui est vraiment, pour moi, c'est vraiment le super produit qu'ils ont sorti en fait, My Muscle. Il y a les classiques évidemment, mais ça c'est vraiment le petit produit que je kiffe bien qu'ils ont sorti, qu'on trouve pas ailleurs. Donc bon, ZMG, voilà, c'est vitamine B6, magnésium, zinc, GABA, il y a de la théine, il y a aussi de la mélatonine. Donc en fait c'est vraiment tout ce que je prenais à la base le soir, sauf que là c'est réuni vraiment dans un complément. C'est comme du ZMA, mais vous rajoutez de la théine, du GABA et de la mélatonine. Donc franchement, j'arrête pas de trembler là.
Il est trop lourd le portable pour moi. Et franchement, c'est le combo parfait, quoi. C'est vraiment le combo parfait pour moi. Donc ça, vraiment, c'est parfait. Je vous le conseille, le GMG, le ZMG, putain. Parce qu'en plus, ça vous évite de multiplier les compléments, la prise de compléments le soir, et même à l'achat, quoi. Franchement, c'est relou. Donc voilà, je vais manger tout ça. Je vous dis à demain, parce que du coup, je ferai le petit débrief demain, le petit débrief habituel, pour vous parler un petit peu de comment s'est passé le confinement, comment je vois les choses, et peut-être ce qui va se passer derrière. Je vais peut-être vous mettre une vidéo de mon check-up, du coup, que j'ai fait pour mon coach. Putain, je me flingue l'épaule. Oh. Putain, les gars, je congestionne pour rien, c'est fou. Du check-up que j'ai fait pour Mauro. Donc, voilà. Petite vidéo de la forme. Comme ça, bon, vous verrez la forme que je tiens post-confinement. Et puis voilà, quoi. On pourra discuter un petit peu de tout ça. Je vous souhaite un bon appétit. Moi, je mange et je vais me coucher. Allez. À tout à l'heure. Yo, et voilà, de retour pour le débrief, pardon. Après une bonne nuit, du coup, avec la mélanine, là, ça m'a mis un coup derrière la tête, je me suis endormi direct cash. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, voilà, reprise. Bon, je sens déjà les courbatures, évidemment. Pour rien vous cacher, fin de semaine dernière, du coup, on a essayé de faire un petit peu d'agencement et du nettoyage à la salle. Du coup, je suis allé filer un coup de main, je me suis entraîné un petit peu. Et j'avais fait les adducteurs, pardon. Oh, la mauvaise idée. Enfin, la mauvaise idée. La mauvaise idée de comment je les ai fait, en fait. Je les ai fait un peu trop fort. Et putain, je me suis tapé des courbatures aux adducteurs. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Les courbatures comme ça aux adducteurs, c'est... ça déchire, quoi. Sinon, j'ai l'impression d'être handicapé. Ça a fait déjà 5 jours que je l'ai... Ouais, moins que ça que je raconte. Enfin bref, je les ai depuis plusieurs jours, là. Ça m'handicape de ouf. Enfin bon, du coup, je vais vous mettre la vidéo, comme je vous ai dit, de mon check-up que j'ai envoyé, parce qu'il fallait bien que j'envoie un check-up aussi à mon coach. Donc, je l'ai fait à la salle. Évidemment, c'était mieux comme ça. Les gens pouvaient me filmer correctement. Et puis, j'étais en condition, on va dire, un peu plus rempli. Donc, voilà, je vous mets la vidéo. Vous allez voir, j'étais un peu bloqué là au niveau du dos, en fait, parce que dans le cou, j'avais une petite gêne ici. Et je m'en étais pas rendu compte à ce point-là. Mais vous verrez, du coup, sur les poses de dos, j'ai un problème. J'ai le côté droit et j'arrive pas à le déployer correctement. Et c'est assez flagrant. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, putain, merde. Du coup, bah, je pris rendez-vous chez l'ostéo, quoi. Je trouve qu'on fait pas assez. Bon, je vous laisse regarder ça et je reprends dans un instant. Stop. Même des bras relâchés, je trouve que c'est bon. Même les cannes. Ça va bien, ça. T'es bien souple du bus, ça passe bien, ça. Tire sur le dos en bas pour les spinaux là. Ouais, nickel. Ouais, parfait. Ouais. Good. Voilà, c'est bien. Ouais. Bah, dans le dos, t'as de la qualité. C'est plus grand-chose. Là, tu vois, les bras de face, tes biceps, ça va. C'est cette pose là qu'il faut trouver le moyen de les faire sortir. Tu vois? Sur tes biceps. Alors après, ça vient aussi de la qualité. Hein. Parce que de face, autant de face, je trouve que maintenant ils sont bien plats. C'est une question de look, ça, en fait. Ben ouais, carrément. Hein. Ouais. Là, sur la ceinture scap, non, c'est bien. Mais même les cannes, t'es mieux que la semaine dernière. Là. Elles sont plus propres, ouais, carrément.
Ah, ça, c'est pas plus. Attends. Tu décales, toi, le tour un peu plus quand t'es comme ça. Mais t'es bien, c'est pas plus. Le combo de face là, il est gros là. Et voilà, de retour. Donc bon, vous avez vu un petit peu l'état de la forme. Bon, c'est plutôt cool. Je vous le cache pas, à la fin du confinement, j'ai pu m'entraîner un petit peu dans des home gym en fait, tout simplement. Ici, il y a des gens qui ont carrément des salles chez eux. J'ai halluciné. Donc il y a quand même il y a moins de matos, mais bon, j'ai pu quand même m'entraîner correctement sur la fin. Vraiment sur la fin, comme ça, au moins j'ai pu remettre un peu de gaz pour la reprise. Donc c'était plutôt cool. Vous avez vu. Pff, n'importe quoi. Bref, la structure, elle a changé vraiment. Enfin, elle a évolué, moi, je trouve. Il y a vraiment des améliorations à noter, vraiment au niveau de là. Au niveau des pecs, j'ai réussi à aller chercher plus d'épaisseur au niveau des pecs, là où ça me manquait vraiment de face. Là, au moins, j'ai la poitrine qui est moins plate. On remet un petit peu de cuisse tranquillou. Et les bras commencent un peu à ressortir, à avoir un petit peu de galbe. C'est surtout ça. Je veux pas forcément prendre du size, le mec qui fait de l'américain français là, il se sent plus du tout quoi, le mec s'est mis à fry du tour de bras, mais c'est surtout du look en fait, donc voilà, pour vraiment avoir du galbe et que ça ressorte bien, donc ça commence à venir, donc c'est plutôt encourageant. Bon, maintenant pour les compétitions, c'est toujours le même problème, on verra ça, et puis j'espère d'ici un mois avoir une réponse positive pour tout ça. Si c'est le cas, Ça va être la teuf. Surtout, je vais pouvoir avoir un objectif et la tête libre vraiment pour faire ça. Donc, je vais pouvoir y aller vraiment deux fois plus fort, je crois. Vraiment deux fois plus fort. Ça a été un prépa. Effectivement, j'avais ça en tête et je savais pas si je pourrais ou je pourrais pas. Là, c'est différent. J'ai que à y aller, quoi. Donc, ce serait plutôt cool. Voilà. Je vous avais pas dit, mais le site MyMuscle, du coup, aussi, il est ouvert. Ça y est, enfin, pour ceux qui me suivent sur les stories Instagram, vous l'avez vu, je vous l'ai noté. Donc, vous allez pouvoir aller retrouver vraiment tous les compléments sur le site. Donc, voilà, pour ceux qui veulent me soutenir, comme j'expliquais souvent, comme j'expliquais sur les autres vidéos, voilà, moi, j'ai choisi un sponsor. J'ai eu plusieurs propositions qui étaient qualitatives avec des bons produits. En plus de ça, c'est une marque française. Et mine de rien, et surtout après tout ce qui vient de se passer, je trouve ça plutôt cool de bosser, comment dirais-je, avec des Français, en fait. Tiens, j'essaierai surtout aussi de vous sortir des concours. Je suis en train de voir ça déjà avec la marque pour essayer de vous offrir quand même des trucs. Ce serait quand même vraiment cool. Et puis voilà, les mecs, hein. Hashtag unstoppable, quoi, jusqu'au bout. En tout cas, voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. On va reprendre ça bientôt, vraiment à fond. Je vais essayer de faire plus de contenu. Je viens d'y repenser, mais putain, je me suis gouré même en filmant. Je filmais droit. Enfin, j'ai pas dit aux gens de filmer en 4K, en fait. C'est vraiment le début, là, c'est vraiment la reprise. Il va falloir vraiment s'y remettre. Même quand je parle, j'ai l'impression que c'est pas trop ça, là. Bref. En tout cas, merci à tous. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Et n'oubliez pas que l'important, c'est l'essentiel. Allez, ciao !